Il était ce matin dans les locaux de Caméléo pour une visite surprise. Nous parlons là de Sayouba Mandé, l'un des gardiens des éléphants de Côte d'Ivoire et l'homme qui a sauvé Steybeck de la relégation cette saison. Focus. Champion d'Afrique 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Sayouba Mandé s'apprête sûrement à vivre sa seconde CAN avec la sélection ivoirienne. Le portier des éléphants était le visiteur surprise de la rédaction de Buzz de Sport ce mercredi. Une occasion choisie pour féliciter et encourager cette jeune équipe qui œuvre pour la promotion du sport ivoirien. Occasion choisie également par notre rédaction pour dresser un bilan avec le dernier rempart de Steybeck. Je pense que voilà, pour la saison, je me suis bien préparé pour ça. Et voilà, chaque c'est, vous savez, le foot, c'est un mystère. Hein. Donc, il y a des hauts et des bas. Donc, cette saison, j'ai connu voilà, des hauts et des bas. Et, voilà, le plus important, c'est de rester concentré et être positif dans la tête et de continuer à travailler. Pourtant, on a eu beaucoup de jeunes et on a dû faire avec. Donc, voilà. Depuis un ou deux ans, le groupe a vraiment changé avec les anciens qu'on a. J'ai essayé de former un groupe solide, comme vous l'avez constaté à la CAN. Donc voilà, c'est de là que tout est parti. On a formé un groupe solide, l'ambiance, l'attente, tout va bien, super bien. On a la même ambiance et plus, je peux dire, parce que comme vous le voyez dans les social médias, il y a l'ambiance. Pas seulement que sur le terrain, mais sur le terrain, comme en dehors du terrain, c'est cette ambiance-là qui nous donne cette force de vraiment être solidaire. Voilà, j'espère obtenir ma chance un jour, pouvoir montrer de quoi je suis capable. Et le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on travaille dans l'ombre et c'est l'entraîneur qui fait sa choix. Il y a une bonne relation entre nous et l'entraîneur parce que, comme vous le savez, c'est un ancien gardien. Donc, il essaie de nous donner son coup de bien, son savoir. Et voilà, je pense que c'est comme une équipe en fait. Mais on a toute l'équipe qui est là aussi. Donc, voilà, je pense qu'entre nous et l'entraîneur, ça va. Voilà, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, c'est de nous soutenir jusqu'au bout et d'être beaucoup positif dans la tête. Parce que nous, en tant que footballeurs, on est déjà positif dans la tête. Et c'est dans l'ensemble qu'on peut arriver. Comme on le dit, c'est les deux mains que c'est là. Donc on a vraiment besoin de vos soutiens. Et voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.